Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Ici Olivier Lambert et je suis présentement à Cascais, qui est une ville à 45 minutes au nord de Lisbonne. Super de belle ville. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose d'excessivement important. Si tu as un site web, et c'est le pixel de remarketing Facebook. Donc le pixel Facebook, c'est un code JavaScript que tu mets sur ton site web et qui va identifier les visiteurs qui viennent sur ton site web et Facebook va linker ça à leur profil. Donc ça crée une base de données de qui est intéressé par qu'est-ce que tu as à offrir sur ton site web. Et ça, c'est particulièrement important à cause que un jour, si jamais tu veux commencer à faire de la publicité Facebook, bien, Facebook va avoir des données, il va commencer à avoir bâti un archétype des gens qui ont un intérêt envers ton contenu. Donc, tu vas pouvoir, non seulement il va bien optimiser tes publicités, mais également, tu vas être capable de recibler les gens qui ont été sur ton site web. C'est-à-dire que si quelqu'un a été sur ton site web, il est resté longtemps sur ton site, mais il n'a pas acheté, tu vas pouvoir dire à Facebook, cette personne-là, montre-lui ma publicité. Et habituellement, là, ce sont les audiences les plus performantes qu'on est capable d'avoir, où on va avoir là, les conversions, c'est-à-dire les ventes, les achats, les inscriptions à l'infolettre. On va avoir les conversions les plus abordables de toutes les audiences qu'on est capable de créer. Mais pour être capable de faire ça, il faut que tu aies des données, il faut que tu aies du trafic sur ton site web, il faut que Facebook puisse avoir une bonne idée de qui sont les personnes qui sont intéressées par qu'est-ce que tu as offert. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Facebook, tu vas pouvoir dire à Facebook que lorsque la personne visite telle URL, c'est parce qu'elle a acheté ton produit, c'est parce qu'elle a téléchargé un produit. Donc Facebook va pouvoir se dire, ok, mais ça c'est le genre de personnes qui non seulement vont sur son site web, mais ont des conversions sur son site web, c'est-à-dire qu'ils ont acheté, qu'ils ont ajouté au panier, qu'ils ont téléchargé un livre. Et il y a une troisième chose qui est super pertinente avec la publicité, avec le pixel Facebook, c'est qu'on est capable de faire des audiences personnalisées. C'est-à-dire que Facebook, tu peux lui dire tous les gens qui ont acheté, tous les gens qui ont téléchargé quelque chose sur mon site web, trouve-moi le 1% des gens dans un pays spécifique qui ressemble le plus à ces personnes. Donc ça, c'est vraiment bon à cause que Facebook, là, il y a vraiment beaucoup de données, non seulement sur qu'est-ce que tu dis sur ton profil, mais tous les sites web que tu visites qui ont ce pixel-là, que c'est comme à peu près au moins 40% des sites web sur Internet. Tu sais, tous les sites qui ont le petit bouton « j'aime » sur leur site web, ok, c'est parce qu'ils ont le SDK de Facebook installé. Facebook est capable d'identifier qui est en train de visiter cette page-là. Donc, Facebook a vraiment beaucoup d'informations sur les habitudes de consommation de contenu web des gens. Et si tu es capable de dire « ces gens-là sont excessivement pertinents pour moi », tu peux être sûr qu'il va aller chercher des gens excessivement similaires. Et ça aussi, ça va donner un excellent coût par conversion. Tu vas avoir des ventes pas chères avec ça. Donc, j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo. Si jamais tu as des questions, commentaires, dans les commentaires ci-dessous, bien sûr, c'est à ça que ça sert. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonne-toi à ma chaîne YouTube sur La Tranchée. On va bientôt faire des podcasts. On en a fait un que tu peux aller voir avec David Grégoire qui est déjà publié. Il y en a d'autres qui s'en viennent bientôt. Donc, sur YouTube, tu cherches La Tranchée. Et sinon, fais juste t'abonner à notre page Facebook La Tranchée, à ma page Facebook Olivier Lambert, Scotch Marketing et Domination Mondiale. Et on se revoit dans une prochaine vidéo.